Juste avant que la vidéo elle commence, on met un petit like parce que les petits likes ça fait du bien à mon petit cœur. Alors voilà, et en plus c'est gratuit. Bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor, la famille, j'espère que vous allez bien. Après le redoutable épisode 1, épisode 1 que vous avez tous adoré, de longues semaines, de longs mois se sont passés. Puis l'épisode 2 a vu le jour. Et comme on le dit si bien en France, jamais 2 sans 3. Vous l'avez deviné? Aujourd'hui, rien que pour vous, l'épisode 3 des sons qui me dégoûtent. Et oui la famille, aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Garder la haine en soi n'est pas une bonne chose. L'évacuer, oui. Comme pour les épisodes précédents, bien entendu, je vous rappelle que je ne juge pas le travail des artistes. Ils font des choses que je ne suis pas capable de faire car je ne sais pas chanter. Je dis simplement que voilà, c'est pas à mon goût. Je ne supporte plus. Ça rentre dans une oreille, ça me ressort par le cul frérot, j'en peux plus. Je vais finir ma banane, ça me détendre. On n'hésite pas, très important dans les commentaires, si t'aimes la banane, tu dis j'aime la banane. Si t'aimes pas la banane, je dis j'aime pas la banane. Depuis l'épisode 2, vous le savez très bien, vous l'avez remarqué, de nombreux sons sont venus polluer nos ondes. La radio, la télé, les stories de vos influenceurs préférés, les stories de tes ex que tu détestes. Vous savez de quels sons je parle, vous le savez pertinemment. Quand sur Instagram, je vous ai demandé à vous quels étaient vraiment les sons, vous n'en pouvez plus, les réponses étaient les mêmes, quasiment pour tout le monde. Alors ça me rassure, je ne suis pas fou, merci. En parlant d'Instagram, un concours qui arrive encore incessamment. Alors on n'hésite pas, on vient me follow, c'est gratuit, moi je vous offre des petits cadeaux, ça me fait plaisir. Allez c'est parti, votre mauvais taux de cholestérol musical va augmenter après cette vidéo. Ceux qui arrivent à rester jusqu'à la fin, félicitations. Les sons que je déteste, épisode 3, c'est parti. Voyons voir cette liste. Ah oui. Ah ça va être horrible, ça va être horrible pour vous, je vous le dis. Les frérots. Je suis très mitigé, vais-je me faire insulter ou les gens vont-ils me supporter? Récemment, Nino a sorti une mixtape. Suis-je le seul enculé à ne pas du tout avoir accroché à l'être à une femme? Pendant une semaine sur les réseaux, vous parliez tous de ça. On aurait dit mes potes chômeurs et moi devant le pôle emploi qu'on faut s'actualiser pour toucher les sous. Vous étiez... présent. Non vraiment, je suis désolé, pour moi c'est surcoté. C'est surcoté, vous en avez fait quelque chose alors qu'au final y'a rien de fou. Alors peut-être je vieillis, je sais pas, peut-être j'ai vieilli. Mais non, pour moi ce son, non. Bah non. Non. Je voulais juste la paix, ma belle a dans le classe. Oh merde. En fait pour l'artiste numéro 2, j'aime trop son contenu, j'aime trop le personnage, mais je n'aime pas ce son. Sosomanes, je t'aime. Ce son, je t'aime pas. Arrête. Arrête. Magique ce spray, fait disparaître toutes les mauvaises choses. Nettoyant anti-son de merde, j'en mets. Non vraiment, Sosomanes, ce son tu l'écoutes une fois frérot, toute la journée tu le sifflotes, toute la journée tu le chantonnes. On va tous finir dans un asile psychiatrique. Non stop, on arrête, on n'en parle plus, on passe au prochain. Là je rigole parce qu'en fait j'ai vu ceux d'après. Et ceux d'après c'est vraiment les pires. C'est les pires. Celui-ci je vais pas te mentir, quand c'est sorti j'ai fort validé. Je l'ai écouté. Je l'ai réécouté. Ah ça m'enjaillait, je trouvais que la vie était belle. Comme d'habitude, qu'est-ce qui a rendu ce son détestable? Toutes les meufs sur les réseaux sociaux. Une story Snapchat, une story Insta, TikTok. Même vos stories Facebook, vous êtes au courant que les stories Facebook personne les regarde. Les stories Facebook c'est le néant. C'est toujours le même problème, dès qu'il y a un son que j'aime bien et qui est dansant, au bout d'un mois je suis dégoûté parce que les gens, à force de faire des stories qui me cassent les couilles et faire vos trucs TikTok qui me rendent... j'aime plus le son. Après ne nous mentons pas, Z, incroyable, refrain, incroyable, P2O quoi, il est toujours là-haut le frérot, il est sur son trône, il bouge pas. Messieurs, dames, je crois que c'est l'heure, je vais vous parler avec sincérité et vraiment avec le cœur. Récemment, la France a été confrontée à de douloureux événements. Alors non, je ne parle pas du Covid-19. Non. Ça commence par Wej, ça finit par Den. Ça finit par Den et ça commence par Wej. Wej Den. L'énervement va être présent. Alors frérot, déjà plusieurs questions se posent. Wesh Den, quel âge as-tu? Non parce que moi je vais pas te mentir, j'ai 25 ans. Mes potes autour de moi, moyenne d'âge, 25 ans aussi. 99,9% de mes potes veulent te soulever. On veut savoir si tu es majeur. Je ne veux pas que tous mes potes finissent en prison. On va pas balancer de blase, mais il y a déjà des petits trucs un peu bizarres de pointeur en ce moment, c'est chaud.
cool. Voilà, maintenant qu'il y a eu cette histoire, moi je veux pas que mes collègues ils aient la même. Dis-nous ton âge, on en peut plus. Un coup t'as 16 ans, un coup t'as 20. Et frérot, faut pas jouer comme ça avec la vie des gens. Donc je vous avoue un truc, j'ai un petit peu honte de moi. Quand le son est sorti, bien entendu, c'est ma copine hein, qui l'écoute en boucle dans sa voiture. Et tu vois, par amour, t'es prêt à accepter beaucoup de choses. Alors j'écoutais. Et puis j'avoue qu'au bout de plusieurs écoutes, j'ai remarqué que je me mettais à chanter lorsqu'elle mettait ça dans sa voiture. Je me suis dit, que vais-je devenir ? L'amour m'a-t-il rendu stupide, idiot, fragile ? La réponse est oui, messieurs, dames, quand vous tombez amoureux, vous n'êtes plus le même homme. Mais en soi, au début, quand on l'écoutait, y a pas trop de gens autour qui l'écoutaient. Tu vois, ça venait vraiment de sortir, y'avait pas encore ce gros buzz. Là, frérot, maintenant, c'est plus possible. Ce son, il est partout, frérot. Il est sous ton lit, il est dans tes chiottes. Frérot, je soulève ma casquette, y'a quoi en dessous ? Tous ceux qui ont dit que sous ma casquette, y'avait une calvitie. Vous êtes des petits enculés. Franchement. Bref, en tout cas, Weshden, t'hésites pas, tu m'appelles, tu m'envoies un petit DM sur Insta, je veux juste connaître ton âge, et je pense que je suis pas le seul. Si je vous dis la série validée, si je vous dis gros gaillard énervé, si je vous dis quand il rappe, même le micro est choqué, quand je vous dis que ce mec, c'est lui qui a éduqué son père et pas l'inverse. Bosh ! Ah les gars, mais là c'est pareil, on est confronté à un problème de taille. Frérot, ce son est partout, j'ai fait le test hier. Est-ce que t'es prêt? C'est pas des blagues. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée et ton boule me rend romantique. Pièce. Faites attention, c'est dangereux, c'est nocif. Alors en soi, bon, voilà, c'est vraiment un petit banger qu'il a fait. Comme ça, ça pousse les ventes de son album. Le frérot, il a raison, il est en plein buzz. C'est normal, grâce à ça, il touche un public plus large. Il touche plus de sous. Et tout le monde parle de lui, c'est bénef. Mais moi, je n'en peux plus. Même sur Twitter. L'autre fois, j'ai juste tweeté. Bien ou quoi? Tous les gens m'ont répondu. T'habites dans le coin ou pas? En fait, au bout d'un moment, les gars, c'est lourd, quoi. C'est lourd. C'est repris partout. Les TikTok, j'en parle même pas. Même vos darons et vos grands-parents, ici, ils sont mis. Je vais la voir. Je prends ma mère en voix. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée et ton boule me rend romantique. J'en peux plus. En fait, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que, genre, il y a des gens, ils sont chez eux, posés, tout seuls, ils écoutent ça à fond? Non, mais vraiment, rassurez-moi. On enchaîne, parce que là, j'en peux plus, là. Un artiste que j'aime, mais que j'aime de tout mon cœur. Je l'aime autant que j'aime Zinedine Zidane, c'est pour vous dire. Jules, le sang de la veine, Jules la Puenta, 1-3-5. Ça va faire pas loin de 7 ans que je l'écoute. Sauf que là, malheureusement, monsieur a encore sorti un album, c'est le 197ème, au moins. Il a sorti plus d'albums qu'il me reste de cheveux sur la tête, je suis choqué. Une fois de plus, ce son, il est partout. C'est comme si tu manges trop de chocolat à Pâques, frérot. Le lendemain, t'es malade. À force de trop écouter ce son, j'en deviens malade aussi. C'est pareil, il est partout, vous croyez que je rigole? Vous croyez que je rigole? Et je les choque. C'est chaud. Ne nous prenons pas la tête. La vie est belle. Pas bien fermer la sacoche. Ah là c'est mieux. Bien entendu, je ne suis qu'amour, je ne suis que paix. Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit dernier? Parce que celui-là, les refs. Oh là 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 là. J'en fais des claquettes avec mes pieds là. Vraiment, j'ai envie de me battre contre un ours et j'ai envie que cet ours il m'arrache la gueule. J'ai envie que cet ours il me défonce le trou de balle. Autant Alonso, je t'aime. Alonso, t'es un ancien. Les psychiatres de la rime. Tu vois ce que je veux dire? T'es quelqu'un. Pourquoi tu t'es rabaissé à faire un son comme ça là, avec cette meuf là? Pourquoi en fait? Parce que frérot, en fait, au bout d'un moment, quand elle chante, un appel au secours. Elle va pas bien, il se passe quelque chose. Quelqu'un lui fait du mal, elle appelle à l'aide. Elle ne chante pas, elle hurle. Comment vous faites pour écouter son avec des écouteurs? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu mets le son trop fort, tes oreilles saignent. Non, vraiment, je peux pas. Je veux bien faire beaucoup d'efforts. Là, c'est plus possible. Là, faut arrêter. Vous pétez les plombs. Sur tous les réseaux, vous pétez les plombs. Bref, la famille, on va s'arrêter là. Parce qu'au bout d'un moment, ça va plus le faire. Il m'en reste encore plein sur la liste. Le problème, c'est que je pense à votre santé mentale. Alors on va s'arrêter. Hein. Je pense surtout aux heures de montage que là, je vais me taper. Et c'est des heures de montage où je vais écouter tous ces sons en boucle. Il y a moyen, c'est ma dernière vidéo. Il y a moyen, après, je me relève jamais. Il y a moyen, après, du caca coule de mes oreilles. Donc franchement, pensez à moi aussi. En tout cas, vous, de votre côté, si vraiment il y a des sons que vous ne supportez plus, l'espace commentaire, il est là pour vous. Moi, je compte sur vous. Donnez-moi un petit peu des petits trucs là. Bref, sur ce, la famille, je vous fais des câlins et des bisous, mais bon, on va quand même pas passer ce stade de la complicité trop vite quand même, je suis pas un mec facile. Non, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que vos proches vont bien, l'équipe. Sur ce, je vais vous laisser tranquille, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, c'était Namor.